Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une vidéo sur l'épandage d'engrais. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi, on a attelé le Renault, tout simplement le 80S, sur l'épandeur à engrais. On va mettre un petit peu d'engrais tout simplement dans les vignes. On a pris la décision parce qu'il pleut là, je ne sais pas si on peut voir. Et du coup, dès qu'on va mettre l'engrais, l'engrais va se dissoudre. Et du coup, on met un peu d'engrais du coup pour pouvoir faire grossir un peu les baies, enfin les raisins. Parce que vu qu'il pleut pas souvent, bon là ça faisait 3-4 semaines qu'il n'y avait pas plu, enfin 3 semaines bien bon. Et du coup on va mettre un peu d'engrais combiné à cette pluie là. Bon, ça fera du bien, ça fera grossir un peu les raisins. L'engrais déjà ça comblera un peu le manque d'eau. Plus là la petite pluie qu'il a fait, ça va vraiment bien se dissoudre. Donc là l'épandeur cune sur le Renault 80S. Ici derrière on a le 50 qui était sur la cuve bleue depuis un petit moment. On l'a dételé, on va le mettre sur le vibroculteur. Là ici on avait la machine, le pulvé pour traiter les arbres qui était sur le 80S, voilà, depuis un moment aussi. Parce que je faisais pas mal d'aller-retour pour aller chercher de l'eau, pour arroser le jardin, voilà, quand il ne pleuvait pas souvent. Et là vu qu'il s'est mis à pleuvoir et qu'on avait décidé de faire ce chantier, on a tout dételé. À la base, on voulait atteler l'épandeur sur le 50, mais il se trouve que les crans de la prise de force du 50, ils sont morts, donc on peut presque pas atteler d'outils avec des cardans. Donc du coup, ouais, ça fait un peu petit l'épandeur sur le 80, mais bon voilà. C'est un épandeur cune qui doit faire à peu près 300 litres. Donc voilà, il peut faire les vergers, hein, il peut tout faire, il peut faire les vergers, les vignes, etc. Et là le 50S qu'on va atteler je pense demain sur le vibro pour retourner la terre par derrière. Donc on va mettre l'engrais je pense mercredi et puis on ira labourer du coup avec le vibro le 50 jeudi. Voilà. L'engrais faut qu'on aille l'acheter déjà, qu'on aille le chercher. Et puis voilà. Je pense qu'il faudra. Il faudra au moins 2-3 épandeurs pour faire la vigne entière, vu qu'il y a 1,50 hectare à peu près. Donc voilà, donc là je tourne ça, on est lundi, je vous fais l'intro lundi, voilà. Le tracteur en charge parce que la batterie elle tient pas trop des fois. Alors on peut voir c'est quand même pas mal en bazar hein, derrière, du coup parce que bon on s'est dépêché de vite tout atteler et tout. Et donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas. Et on espère que aussi la météo sera avec nous quand même, qu'on aura un petit peu de pluie après avoir passé cet engrais. Et voilà. Donc, bon visionnage.